Salut à tous les amis, ici Fanta la tête dans le cul, plus connu sous le nom de Fanta, et content de vous retrouver en ce début de semaine. Pour vous c'est mardi, mais pour moi c'est lundi, j'ai toujours un petit épisode d'avance pour profiter de mon dimanche. Hier soir j'ai fait un live jusqu'à 2h du matin, un live excellent pour la quadrature du net. Je vous invite à soutenir la quadrature du net pour vos libertés sur internet, une action politique et civique des mecs qui assurent. Et d'ailleurs, si vous voulez voir le live, vous pouvez trouver la rediffusion sur le live, le Twitch d'Indius, Indius, le site internet, voilà. Sur le Twitch, ils ont un Twitch, et en fait, voilà, dans les précédentes vidéos, vous pourrez trouver encore la vidéo sur The Escapist, 2h30 de The Escapist avec de la récolte de caillasses pour la quadrature de net. Ça se passe sur le live du Twitch d'Indius. Voilà, ça c'est pour le placement de produits pour la bonne cause, et moi, je commence aujourd'hui la tête dans le fion. Une nouvelle vidéo. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain! Ça commence fort! Hey! Merci! C'est là que je me rends compte qu'il faut que je ferme le rideau pour pas être aveuglé. Bon bah ça c'est fait. Un petit peu de caillasse, c'est bien pour commencer. 18 000! Attention les mecs, hein. Moi je rigole pas. Il me faut au niveau compétences. Putain, ça c'est cool, j'ai débloqué. Ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais, super. En me soignant sans seringue, je peux récupérer 2 barres de vie. Ça peut vraiment changer la donne, vraiment. Ici, c'est pour charger beaucoup plus vite. Ça aussi, ça peut vraiment changer la donne. Ce sera pour 4 points de compétence. Ici, des seringues. Les seringues, je les sous-exploite à fond. Je m'en excuse. Donc, du gris, du violet. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faudra comme seringue? Celle-là, elle serait bien. Bleu et rouge, seringue bleu et rouge, et rouge et jaune. Ouais, allez, on va essayer de les utiliser. Pour le Norfolk. J'ai cru que c'est ce qu'il a dit. Malheureusement, le point de karma est parti dans l'espace. C'est bon. Allez, on va voir Willis. On va voir Willis. Je vérifie que j'ai pas une mission en cours. Non, je n'ai pas de mission en cours. C'est très intéressant, ça. J'ai des coffres et des trucs à choper à côté. Ici, il y a la forteresse de Nour, mais j'aurais pu aller libérer le clocher pour avoir une vraie visibilité, parce que là, on est vraiment dans le brouillard. Donc, on fait Willis et ensuite le clocher, si vous êtes d'accord dans cet épisode. Un ratel. La question, c'est est-ce que j'ai besoin encore de peau de ratel? Poisson démon, tapir, peau d'ours, léopard des neiges, peau de peau épaisse, peau de léopard des ombres. Non. Attention, un aigle. La réplique culte de ce jeu. Alors Willis, j'avais déjà commencé, j'ai l'impression que j'avais déjà commencé, il y a un bug de sauvegarde ou quoi? Je m'excuse, j'ai un peu la tête dans le cul. Hey Jay, tu tombes bien, j'étais en train de terminer. Ça y est, ce sera ton dernier job. Ah non. J'ai enfin au but. Le gars, il vit dans son avion quoi. Jette pas ça, je viens de boire 2 litres de café, je vais en avoir besoin. Putain. Himalaya, chercher l'aide perdue, les entrées journal pour machin. Ok, ok. C'est cool, hein. Je suis content d'avoir un nouveau sniper. Je vais t'apprendre 2-3 trucs, mais ce sera pas joli, joli. Ton père voulait tuer ta mère parce qu'elle était sur le point de tout laisser tomber. Le sentier d'or, le kirat, la cause. Quoi? 1. Ta mère était une Hakuna Matata ou je sais pas quoi ce qu'ils disent pour appeler les petites filles. 2. Ta mère espionnait Pagan alors qu'elle l'aimait bien. 3.
Ton père était un patriote et je connais aucun patriote qui soit pas un enfoiré de première. Et pour le reste... faut qu'on se débarrasse d'un autre lieutenant de Yuma. Je te laisse faire! Voilà les amis, et on va partir à l'action, et c'est là que je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire le plein de gilets pare-balles, de seringues de santé, d'un bon sniper. Ça va être l'enfer, là, faire sauter, et on y va. Wouhou ! On va essayer d'arriver au bon endroit, et on va voir comment on gère ça. Putain, il y a un hélico... Heureusement, j'ai un petit lance-patate pour toujours pour me faire le doom. Oh putain, vous avez vu ça? On peut plonger alors. Hop, ouais, super. Super, 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 super. Oui, c'est ça qui est bon. Très, très bon. Alors, utilisez votre caméra pour identifier le lieutenant. Avec ton couteau ou ce que tu voudras. Yuma pigera le message. Willis, terminé. Ok. Alors attends, par contre, s'il y a des coffres, moi je veux bien me les faire en fait. Y a pas de soucis. Le gars, il est pour tuer des gens, mais non. Alors, on va essayer d'identifier tous ces gens. Ah ben, une chèvre. Super. Ok, ici. AJ, je plaisantais pas quand je te disais de l'ouvrir en deux. Tu vas avoir besoin de son corps intact. Les flingues et les explosifs feraient trop de dégâts. Faudra y aller au couteau. À l'ancienne et un peu dégueu. Un vrai bonheur. Mais pourquoi faut que le corps soit intact? Oh, AJ, m'oblige pas à te mentir. Pour les besoins du scénario, j'imagine. Pour te forcer à faire de l'infiltration quand tu sais pas en faire, j'imagine. C'est la merde. Ça m'a pas l'air d'être totalement surpeuplé. Même si je suis assez mal occupé, équipé, pardon. Et ma femme me le dit pas si souvent. Et hop, on va essayer de charger ça. Hop. On va essayer de... de l'avoir lui. Attention. Mais ne pas être furieux, je te jure que c'est la dernière fois que je prends ta défense. Je sens plus mes mains. Hop. Tout ça parce que toi, t'es à cause de toi, prends de respect. J'ai failli au panier. Ok. Attention, ça dégénère. Il y a des chiens et ça me plaît pas du tout. Attention les klebs. Ok, il me voit pas. Putain. Ça aurait pu être pire. Ok. Ah putain, il m'a vu. Ok. Hop, tu m'as vu. Ok. Jusque là, tout va relativement bien. On va prendre les coffres si on peut, si je les trouve seulement. Ok, laisse. Ok, Théo. Alors, il y a le général à se taper là-haut. On prend les pépettes.
n'oublie pas l'utilisation. Ah, j'ai oublié le couteau. J'ai oublié un petit peu l'utilisation du couteau, mais c'est pas grave. Là, je crois que y a rien. Attention les clebs, hein. Tu crois que le couteau de lancer, ça lui va? Ah putain! C'est bien ça. Je suis sûr que c'est un léopard des neiges. Cool. Je vais me soigner. Je vais me soigner. Au niveau confection, rien encore. Hein. Léopard des neiges, j'avais... ok, c'est bien ça. Un autre léopard des neiges voudra bien. Putain, j'ai pas pris de gilet pare-balles, j'ai rien pris de tout ça. Ok, jusque là. Ça va. Tu te trompes pas, hein. Couteau de lancer à la limite. En espérant qu'il y ait personne d'autre que lui. Ah putain! Je l'avais pas vu! On se soigne! Willis, je l'ai eu. Prends-le en photo, tu veux bien? Le boss veut une preuve. Ok, j'ai sa photo. Très bien. Retrouve-moi en bas. Bonne balade. Bon. Super. Petite wingsuit. Oh putain! Ce stress que je me suis mis, heureusement j'ai un petit checkpoint. Ah d'accord, retrouve-moi en bas et wouh! Putain! Attends, mais ils vont faire du tir au pigeon les mecs? Putain, dans le fion. Je me suis pris une roquette hein, quand même. C'est énorme, c'est énorme! Attention, un aigle! C'est énorme. Putain, j'ai des frissons, quoi. C'est tellement beau. Je sais pas du tout où il faut aller. Oh non, putain, l'hélico de merde! C'est bon. Putain, ce cadeau qu'ils nous font, quoi, cette sensation de ouf! Ah, j'y ai rien, je vous laisse profiter. Oula, attention! On va essayer de plonger. On va essayer de remonter. C'est bon! C'est très 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 bon! Ça, ça me dérangerait même pas de le rater tellement j'ai envie de le refaire. Willis, mon gros, tu m'as donné du rêve hein, sur ce coup. Ouh. T'as éliminé la cible? Ouais, je l'ai fait. On s'occupe de Yuma maintenant? Grimpe. Considère ces informations comme ton dernier paiement. En fait, je t'ai fait tuer des contacts de la CIA. On fait le ménage. Pagan représente plus un danger potentiel pour les États-Unis. Fallait qu'on efface nos traces pour qu'il rate. T'as fait un sacré bon boulot! Alors tout ce que vous m'avez dit, c'est des conneries? Ce que je t'ai dit sur ton père et ta mère, non, c'était vrai! Ce que j'ai pu te dire sur moi, t'auras qu'à lui demander! Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Désolé, fiston, mais je te l'ai dit! Tous les patriotes que je connais sont des enfoirés! Je te retrouverai. Ah ouais, carrément.
L'acte 2 est terminé, les amis. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... c'est pas mal. Tu lui as laissé le sac sur la tête ? Bon, il a de l'air. Est-ce que tu as percé des trous pour qu'il ne s'étouffe pas, au moins ? Coucou ! Tu t'es bien amusé avec la CIA ? Bienvenue à Dourgesh. Désolé pour cet accueil un peu spartiate. Mais tu nous as bien fait chier, pas vrai ? À traficoter partout avec le sentier d'or. Et ce pauvre Paul, tu ne digères pas ce qu'il a fait à ton petit camarade, hein ? C'était quoi son nom ? Du gland ? Du con ? Du schnock ? Qu'on en finisse. Désolé que tu t'ennuies. Mais laisse-moi le préparer en douceur, Yuma. Tu vas le traumatiser. Essaie d'arrondir un peu les angles, peut-être. Comme tu veux. Tu l'as vu, il respire encore. Maintenant, va-t'en, moi j'ai du boulot. Bien, bien, bien. Mais je le veux vivant, avec tous ses membres intacts. Une dernière chose. Bon, AJ, je sais bien que c'est dur, mais considère ça comme de l'amour vache. Après tout, tu as une suite avec une vue imprenable. Oh, et un dernier petit conseil. Ne t'endors pas trop près du bord. Est-ce qu'ils ont enlevé ma home suite ? Pousse-toi. Ce que tu veux, très cher. Je pense à la saison 1 de Game of Thrones. Allonge-toi. Pourquoi ? Allonge-toi, je te dis ! Je suis allongé. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ça ? Ah, de la drogue. Putain, c'est quoi ces habitudes, quoi, les... Tout le monde te drogue. Du cul. AJ. Oh là là. Le bad trip, quoi. Ça commençait bien, en fait. Tu rêvais d'une chute ? Beaucoup de gens tombent par ici. La plupart ne se réveillent pas. C'est l'effet que cette prison a sur les faibles. Ne jamais regarder en bas. À mon avis, c'est un indicateur. Il vaut mieux pas sauter dans le fond. Un point sur un d'overdose. Hop, là c'est... Ah, le double de dégâts, mais tu subis aussi, d'accord. Rechargement, c'est très vraiment, vraiment cool. Plusieurs exécutions, ok. Ça peut être pas mal aussi. Les films qui ratent. Très bien, très bien. On va s'échapper de cette prison. Enfin, on va essayer. Ah d'accord. Le peuple qui a creusé cette cité dans la pierre était fort. Des fidèles de Kalina. C'était une grande civilisation. On va essayer de se fabriquer un grappin. Si j'étais une araignée... Je serai étoile pour descendre, mais je peux pas être une araignée. Ne sors pas de ta cage, petit oiseau, sois discret, cache-toi s'il le faut, mais ne regarde pas en bas. Elle rampe sous la peau, elle pond des œufs et attend qu'ils s'éclosent. Je hais les araignées, elle voit tout. Si j'en étais une, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Là, j'ai une corde. Je ne sais pas comment éventuellement l'utiliser. Me dites pas regarder en bas. Donc, à mon avis, il faut pas que je fonce dans le fion, dans le fond, pardon. Il faut trouver un grappin et une corde. Bah, la corde, j'ai trouvé. Elle est au plafond. Thank you.
Hop, je vais tout de suite couper le Skype qui me fait chier. Ouais. Je pourrais pas passer par là. C'est con. Ah, peut-être un coup. Non. Non, 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 allez. Allez, on regarde pas en bas qui dit. Hop, putain, donc il faut regarder en haut aussi, ils disent ne pas regarder en bas. Fuck, putain de bordel! Je suis tellement fatigué. Mais tais-toi. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est horrible ça. Ah d'accord, les gens ils ont quand même des problèmes dans cet endroit. On tente de jeter dans le vide juste pour rigoler. Je suis sûr que c'est un achievement. Voilà. Ne regarde pas en bas, non. Non, même pas. C'est con. Désolé pour cette hésitation maximale. C'est peut-être super obvious quand on connaît. Mais là... Non, 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 tu vas pas me le montrer deux fois. Ce n'était pas moi, AJ. Hein? Je n'ai pas tué Mohan, malgré ce qu'on a pu te dire. Si j'avais dû tuer quelqu'un, j'aurais choisi Ishwari, ta sale pute de mère. Va chier. Laisse tomber. Saute, allez. Si tu le fais, je te promets de disperser ses cendres. Putain, j'avais pas le choix que de sauter, en fait. Vous vous rendez compte? C'est pas le même trip. C'est pas le même trip. J'ai pas eu le même trip. Restez à l'affût. Il faut vous attendre à tout. Allez, grappin corde, mais la corde, je l'ai là, mais putain, je peux rien en faire. Si j'étais une araignée, je tisserais une toile pour descendre. J'ai pas mal, je sens plus rien. Je peux pas être une araignée. J'ai pas mal, je sens plus rien. Il en a déjà eu. Pour moi, ce serait par là, mais bon. Ah, ne sors pas de ta cage, cache-toi. Comment je peux me cacher ici en fait? Sérieusement, j'ai pas tout capté. Là, il y a quand même un chemin inaccessible. Même en essayant de gruger, j'aurais bien sauté une troisième fois. Le peuple qui a creusé cette cité dans la pierre. Je sais pas, peut-être qu'elle va me dire autre chose. Ouais, carrément. Troisième trip. Attends, à chaque fois que tu sautes, il y a un trip différent, quoi. Le peuple qui a creusé cette cité dans la pierre était fort. Putain. Des fidèles de Kalina. T'es là. C'était une grande civilisation. Bien loin des chéniards qui infestent le Kirin aujourd'hui. De deux mois.
putain, c'est un genre de Shangri-La en fait. Bah écoute, je trace, je sais pas du tout où je vais, je sais pas par où je m'en vais, je comprends rien de ce qui se passe. Un grappin. Putain, il est là le grappin, donnez-le-moi! Ok, j'ai une info du coup. Quoi ce bordel? Je dois nourrir ma famille. Mes outils sont cassés. Autrefois, Pagan était mon roi. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Mais ta mère l'a dévoyé. J'ai voulu le prévenir, mais il m'a ignoré. Et son amour pour Ishwari a fini par le briser. Putain! C'est horrible, j'ai peur quoi. Allez, je vais suivre les ombres. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh putain, je vais récupérer la corde. Oh putain, non! Oh putain, ils me mettent des coups pendant que je me soigne. Le truc horrible. J'ai des frissons quoi. Hop. Je suis au bon endroit. Allez, clic droit. Oh putain les mecs. La peur d'un fanta. Me laissez pas refaire ce genre de truc horrible. Pendant qu'ils sombraient dans le désespoir, j'ai enfin trouvé ma voie. J'ai trouvé Kalina. Ouais, qu'est-ce que tu me dis? Je veux pas le savoir. Shangri-La. Je vaincrai Rakshasa. Et ensuite, je renaîtrai. Tout comme Kalina l'a fait en son temps. La drogue, c'est super mal, vous voyez. Là où Pagan a échoué en bâtissant une grande civilisation ici, au Kirat. Oh putain! Bah les mecs, je peux vous dire que j'ai eu vraiment peur. Vraiment peur. Je déteste avoir peur. Ceux qui m'ont su... Oh putain non! Oh putain, ouf. Ne faites jamais d'alpinisme quand vous vous droguez. C'est un conseil de Fanta. Putain, non, ne me faites pas tout refaire. Ne me faites pas tout refaire. C'est sur cette chute, les amis, que je vous laisse et que je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure. Parce que le Fanta, il a eu beaucoup de stress. Allez, bise! C'était Fanta.